internautes, balanyos sur les semaines télévision. Bonjour, bon début à semaine. Bienvenue sur vos amis Colanda Bissou de partout dans le monde. Merci de la confiance, vous allez copier ce Bissou. Merci de l'opportunité, vous allez copier ce Bissou. Côte de la bande qu'on a bino, qu'on soit la bino, n'anzela va chomo la bino, n'anzela télévision la bino. Merci parce que vous allez commenter, vous aimez, vous partagez ma émission la Bissou. Merci de la confiance, nous sommes là. Et tout tombe le bino, pour soi, si kakitoko, il y a mal à ou il y a essai. N'a qu'à ma bota la bino. 3 ans et coquille déjà, où t'as pour Tshisekedi à Zok voir. Moi, résumé mon cœur bilan aïe à suivre la carte émission mon colonel. Mike Mokeba a le but Tshisekedi à moins compétent que Kabila dans la gestion des choses publiques. En Afghanistan, vous avez fait malin pour la mission. Soudan mon cœur est à garde républicaine, abonnez-vous tout. La carte n'a pas. Vous avez la carte massacre. Vous suivez la carte émission. On soutient le Congo. Et nous, si nous avons quelque chose pour avoir le Congo, nous, on le soutient, on le soutiendra toujours. Tu as dit qu'on le battait pour soutenir celui qui travaille pour l'intérêt du Congo. Tu as dit qu'on baillait pour tout le monde, pour gaspiller l'énergie pour avoir le Congo. Même si tu es ici, aujourd'hui, tu fais quelque chose, on dirait qu'on profite d'un Congolais, tu as dit qu'on le Congo. Parce que tu travailles à l'avancement du Congo. Voilà. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la 4e émission de Colombo Lelo. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans où t'as qu'au prestation des serments de Félix Tshisekedi en tant que président de la République de Salamanque. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente. Cette fois-là, c'était un jeudi 24 janvier 2019. Passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Passation des témoins. Première alternance politique dans Boka la Bisso. Totikala pour vivre en beauté. Pour une fois, il y a une alternance pacifique. Politique dans Boka la Bisso. Mokili mobi metala mokili melobi lango. Des gens qui avaient prédit oh non Boka la Bisso et qu'on sombre dans un chaos bazaka confondu. Des gens qui pensaient que Mbaka Koufa pour l'élection 2018 bazaka confondu. Zamba langa baba kongole. Souvenez-vous des ambiances zalaka. Na ba image d'illustration sur moi combien population oyo a ta abima pour accueillir pour soutenir. La ville de Kinshasa est en effervescence, jour ou les gens sont allés de partout, la tonda, la palais de la nation, seulement des personnes de serment dans la condition où il y a eu débordement. La police, l'armée ne pouvait plus contenir et si vous n'a pas toujours ouana. Une seule phrase va rappeler la cahier, Kobo Sonaké. Papa le Baki, le peuple d'abord. C'était une journée mémorable. Et aujourd'hui, François Tikala, est-ce
est-ce qu'aujourd'hui, cette phrase est-il à la mémoire Yababazali Kokonza, commençant par lui-même le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le peuple se retrouve dans le Kambo Oyele Kosama Nakoga la mission? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple est dans la joie? Est-ce qu'aujourd'hui, cette effervescence de Koyele Souche, est-ce que la même population a continué à couper sa confiance dans le Kosama Boka? La population est sombrée dans le désespoir, dans le dégoût. Les gens commencent à se demander pourquoi il y a ces yaki. Où est le changement tant vanté? Certes, il y a des réalisations, et par-ci, par-là. On avait applaudi. Parce que moutons et salama. Tout le monde va dire que Bokisama n'est pas là. On avait étudié à l'université et Bokisama. Depuis plusieurs années, on a investi là-bas. On m'a remis dans l'état de Sika. Je suis étudiant dans l'université, dans le campus université. Je suis étudiant dans le Wi-Fi gratuit. Ils ont annoté la mort à Bichot. Il y a eu certaines des choses à faire. Mais il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Mais seulement, on a du mal à mieux juger le bilan du chef de l'État. Après deux ans de gestion chaotique avec le FCC, coalition, il y a Obasalakina, FCC, parce que FCC est la majorité dans le Parlement. Gestion, il y a le Premier ministre Lukamba. Il fallait maintenant rompre le pouvoir dans une autre direction. Mais Obasalakina, ils ont changé de direction, changé de directive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas toujours parmi? Je crois pas. Qu'est-ce qui devrait être fait dans les deux ans qui restent pour que la population Oyo a bêté le 24 janvier 2019 a bêté ma boucle les sous n'a fait un mandat. Il faut dire que les Congolais tous à la carte désespérés, déçus. On a vu des efforts. Sur le plan, il y a Kimia, le gouvernement se bat, le président se bat. Sur le plan diplomatique, on a vu des efforts. Mais ce n'est pas encore l'idéal. L'état des droits n'est pas encore une réalité. Jusque-là, il y a des efforts qui sont en train de faire. Sur le plan judiciaire, tout le monde, quand même, il y a des exploits qui ont été faits. Malheureusement, le désespoir est venu parce que les mêmes personnes, eux, quand ils prennent un détournement, ça dit quelques mois seulement dans la position Babini. Et le président lui-même a reconnu que la justice ne l'a pas du tout accompagné la carte de malgré ces efforts-là. Et l'IGF, nous saluons les efforts de l'IGF pour l'encadrement de la dernière publique. On a vu quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits sur ce point-là. Mais seulement il y a des rapports où l'IGF a donné ça. Où le procureur va faire là. Où le magistrat va faire là. C'est là où le bas blesse. Du moins, nous saluons cette bonne volonté du chef d'État pour la communauté contre la corruption, même ceux qui a essayé de s'y voter parce que déjà autour de lui, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il y a quand même de plan, oh yo, tika la souci, tika la inquiétude, se demande, se disent, mais voilà, on avait voulu, on a pensé que, on croyait que. Et tu dis, Joseph Kabila est plus compétent dans la gestion de la chose publique que Félix Tshisekedi. Hier, le mal congolais était incarné par Joseph Kabila. Hier, Joseph Kabila était l'homme à tout à abattre pour Mike Mukebale. Pour se faire valoir dans les médias. Ce qu'il est là, les cas députés, même provincial, c'est grâce à ma finga sur Joseph Kabila, ma critique sur Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, on commence à parler de Joseph Kabila. Quel contraste. Yeah, Joseph Kabila, c'est la personne la plus mauvaise, la plus dangereuse. Mais aujourd'hui, on applaudit Joseph Kabila. On dit que Joseph Kabila, c'est le meilleur. C'est entre deux, il faut choisir le moindre mal. Mais on ne dit pas Joseph Kabila, c'est le moindre mal. Non, monsieur Mukemal, le député provincial, certes. Mais là, il a déconné quand même. Ne dites pas qu'entre Tshisekedi et Kabila, Kabila c'est le mot de la main. Non, ça c'est faux.
Ça c'est faux, là c'est faux. On ne sera jamais d'accord avec vous. Non. Non. Donc, tu m'as pris vérité. Mais comme parce que nous sommes députés provinciaux. Non. Nous sommes quand même dans une démocratie certes. Mais nous devons reconnaître beaucoup d'efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, ma marche est au Kinshasa, nous salons. Ça me casse. Aujourd'hui, Kinshasa, la Mouka organise des marches autorisées. Aujourd'hui, on a vu Martin Fayulu faire des meetings à ce fait de l'État. Sans être inquiété. On a vu les gens de la Mouka passer dans les médias. On a vu les gens de l'UTC passer dans les médias, pour finir, pour le n'importe quoi, sans être inquiété. C'était le cas sous Kabila. Non. Mais on ne dit pas ça. On a vu qu'à Kinshasa. Qu'il y a des gens, oh, même si on va coûter la photo, tu sais qu'il y a un téléphone, il y a fermez le bureau de Zalaran Nemouni. Il y a des gens qui ont été arrêtés à l'effet des stations connues. Les mouillants m'ont dit qu'ils connaissent quelque chose. Non, Bazé Bélé, qui ont connu les affaires, il y a le régime Kabila. Alors, le régime Kabila, c'est un régime oublié. C'est un régime à oublier, le régime Kabila, c'est un régime à oublier. Mais comme les brebis galères ne manquent pas, un militaire, sans métier de la garde républicaine, a tiré sur la population dans un bar, à vous pourtant d'être tué un homme. Un homme d'une ligne. Vous voyez comment ça se passe? Et d'abord, c'est interdit qu'un militaire à côté de la barre d'arme. Je ne sais pas comment il y a à côté d'un homme. Babagé parce qu'il est grave républicain, je ne sais pas. Et il a tué comme ça un homme. Monsieur est parti. La famille a connu une perte. Le débordement, l'altercation, à quoi ça nous a servi? Vous êtes militaire, faites-vous respecter, faites-vous honorer parce que vous êtes là pour garder la population et non pour tuer la population. C'est ça le mal. Ça fait très mal. Vraiment, déplorable, paix à paix à l'âme de cet illustre congolais. Oui. À perdre vie naïve, n'a la commission. Mesdames, Mesdames et Messieurs, la mère Nende est-il un flatteur ou réaliste? On l'a connu sous Kabila, c'était l'homme qui pouvait convaincre, l'homme au verbe facile, comme on l'a toujours dit. Cette fois-ci, il est direct, c'est qu'il dit. Il dit que Azor mérite le deuxième mandat parce que Azor, le premier chef d'État, a quitté le territoire où il va botter le Mumba. Il est le chef d'État qui mérite ça, qui mérite un second mandat. C'est la territoire. Doyez vous à la côté à pouvoir. Doyez vous à la première à votre pouvoir. Quand le pouvoir est avec Mobutu, il est avec Mobutu. Le pouvoir change avec Kabila, il est avec Kabila. Maintenant, le pouvoir change avec Tshisekedi, il est avec Tshisekedi. Ce qui voudrait dire que ceux qui n'ont pas la bonne présence au pays. La mère mène aux arabes. La flatterie pour avoir pour rester au pouvoir, pour rester accroché au mamelles du pouvoir. Spécialité à la mère mène de où? Où réalise une politique? Commentez Pépé Salissou Pépé Makarisnaï. Où est la stratégie wana? Et où tu wapi? Idée wana et où ta wapi? Pour que Azara toujours peut mener au pouvoir. C'est ça, un fait politicien. Est-ce que parce qu'on parle mieux, dans une idée, c'est pour ma caliste d'ailleurs. Commentaire d'ailleurs, et répondre à Mituna Wano Shudatouni. Mesdames et messieurs, avant de continuer, je voulais suivre ce message de Mapouli Lumumba, président de l'association RDC Monde. Bon, on tourne juste après. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses
à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo. Moyibe yate lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le Grand Congo. Merci maloba ya présidente RDC Monde Pauline Lomo. Merci beaucoup madame maman Pauline pour le message. Oh je vais vous servir à pour tout suivre tout sangana. Pour apporter notre beau pays, le Grand Congo. Qu'est-ce qui s'est passé entre les militants et les IDPS? Mais cette fois-ci, il y a un projet Coco, un projet Makabou. Il y a un député, un national, un provincial. Il y a IDPS. Nous suivons seulement les images à l'illustration. Vous autres, vous allez comprendre comment ça a été. Il y a qui benda bika mbutu mbutu simba kanga beta tika do benda bika. Pour quelle raison? L'un conteste l'autre. On ne veut pas des X, on ne veut pas des Y. Mais entre temps, ça bat. Entre temps, ça frise le mal dans la tête de la gamme. Il faut que Mami Balé va fumer et calumer le pays. On va porter qui n'est pas de la gamme. Sinon, lobby est cause à la grave, est cause à la somme, est cause à la moto. Sinon, lobby est comme un camamouné. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour la mission de commenter, de partager la même actualité. On devra faire une émission spéciale, 3 ans de fête de Sekini, pour tout analyser ensemble avec d'autres confrères cette actualité. Merci pour la confiance, pour PCMISO. Merci pour l'attention à Bidon. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt sur RDC Mon Télévision avec le même plaisir. Au revoir.